3 14e accueille Lens 2e. Les Lensois restent sur deux matchs nuls à l'extérieur. Ils aimeraient bien retrouver le goût de la victoire loin de leur stade. 3 de son côté reste sur deux défaites. Gallon est titularisé dans le but à la place de Lys. Ripard est lui suspendu. Les supporters pensent à Florian Tardieu dont la saison est terminée. Les Lensois de leur côté se sont qualifiés en Coupe de France lors du match précédent, un succès 3 buts à 1 sur le terrain de Brest. Lens affrontera Lorient en 8e de finale. Et là c'est bien le retour à la Ligue 1 Uber Eats. Et les Lensois en vert et noir pour ce match attaque. Ça passe à côté pour Alexis Claude Maurice. Un ballon dévié par un défenseur troyen. Les Lensois continuent à attaquer. Ils ont les meilleures situations avec Florian Sotoka contré. Ça rebondit sur un adversaire puis sur un partenaire. Mais ça ne passe pas. Des initiatives nordistes mais un score de 0 à 0 à la mi-temps. Ce n'est pas encore suffisant dans ce match. Lens va essayer d'en faire encore plus pour empocher les 3 points de la victoire. Les Troyens sont eux restés assez prudents et ont eu du mal à sortir de leur moitié de terrain. En seconde période, ils trouvent tout de même quelques meilleures ressources avec un ballon bien remonté et une attaque bien construite. Ça partait d'une contre-attaque, les Lensois se sont replacés mais les Troyens trouvent quand même des espaces. Laroussi est servi et il réussit à marquer un but magnifique dans un angle un petit peu fermé. Mais le tir est parfaitement croisé, le ballon dans le petit filet opposé, 1 à 0 après 5 minutes de jeu en seconde période. C'est le premier but en Ligue 1 Uber Eats pour Yasser Laroussi. Lens est donc en difficulté. Les Lensois ont gagné tous leurs matchs à la maison. Mais les difficultés à l'extérieur se confirment. Ça peut s'arranger ici avec cette tête de Sotoka. Mais Gauthier Gallon est sur la trajectoire. Superbe parade du gardien de l'Estac. Les Troyens sont en train de tenir un résultat extrêmement important et une sacrée performance. Mais Franck Hez décide de lancer Adrien Thomasson sur le terrain, sa dernière recrue. Troyes profite encore d'espace sur des contre-attaques. Ronny Lopez pour le deuxième but. Ça passe au-dessus au bout de sa course. Il n'arrive pas à être assez lucide pour conclure l'action. C'était peut-être la balle de match. Il reste encore un petit peu de temps pour les Lensois. Ça part sur le côté pour un centre. Le ballon traîne dans la surface. Et Adrien Thomasson surgit pour égaliser à la 88e minute. Le premier but en Ligue 1 Uber Eats sous les couleurs de Lens pour Adrien Thomasson. Mais pas son premier but avec son nouveau club. L'ancien Strasbourgeois a en effet marqué un but lors du match précédent en Coupe de France contre Brest. Adaptation express pour Thomasson et égalisation in extremis. Lens réussit à obtenir un point de ce déplacement. Un but partout entre Troyes et Lens.